Bonjour, magnifique temps aujourd'hui dans la piscine de Meaux où le club MCM nous accueille et je commence par filmer des bateaux électriques pour mieux vous allécher sur la belle brochette de vapeur que nous allons découvrir parce qu'il y a au moins sur la trentaine de bateaux, il y a au moins 3 ou 4 nouveautés. Donc celui-là vous le connaissez, le Haller. Vous connaissez bien sûr. On va voir si ça chauffe. Vous connaissez Cetid et tout ça, pas de souci. Dominique, avec une chaloupe type MRB. Le Gulnar, ah je sais pas, mais je veux bien. Oh regardez, oui. Non, le vole pas. Non, mais j'ai le même. Et c'est vrai, c'est de chez qui ça? Un BR1628. Un BR1628, regardez mes amis, un BR1628. Mais ça, alors là, je le veux bien tout de suite. Hein. Bicylindre. Et j'ai. En compound. Oui. Donc BR comme Bernard Rétif. Ah oui, bah, je connais bien. Ah bah, oui, puisque j'ai un Bernard Rétif, moi, un demi-Bernard Rétif. Tout le monde ne connaît pas parce qu'il y a deux modèles et l'autre en beaucoup plus gros. Je te l'avais montré. Tu ne l'as pas eu, toi? Ben non, je ne l'ai pas eu, hélas. Alors, l'autre, qu'est-ce qu'il est? Petit Otto Laufer avec un quartz. Qu'est-ce qu'il est? Toi, t'es venu avec quoi, toi? Comment? T'es venu avec celui-là? Oh non, moi, je suis d'accord. Alors, regardez ça. Alors, ça, c'est peut-être pas à vapeur, mais regardez. Un Nautilus du Capitaine Nemo. Extraordinaire, j'espère qu'on le verra dans l'eau. Encore un pêcheux avec un petit oscillant, maison. Le superbe Tide de Christian, avec son AL5 dont je bave régulièrement. Dominique, adorable Dominique, venu avec son nouveau petit, comment il s'appelle, VAP 5 ans, non pas VAP 5 ans. La Goliath, excusez-moi. Transformée en bateau de pêche. Donc on va voir. Là, nous reconnaissons un magnifique TM2 Roinet de notre ami Didier. Émile, mais ça, je ne vous présente plus. Émile, qu'est-ce qu'il y a, Émile? Qu'est-ce qu'il y a, Émile? Toujours aussi beau, notre Émile, hein, avec sa pompe et tout. Pardonnez-moi, je vous passe devant. Oui, alors, ah, tu as amené le bébé, là. Le petit oui, pour le sortir aussi, pour faire prendre l'air. Et alors, dites, la queue, mon accu est générique. Ouais, mais c'est pas grave, ça. Mais non, mais c'est bon, parce que tu testes, au moins, la queue est morte. Ah. Notre superbe bateau de guerre. Avec un petit 1 cm cube de cloupe. Son confrère, même plan, légèrement allongé, de notre ami Eric, mais avec un 8 cm cube PM Riser, heureusement qu'il y a une pompe d'ailleurs, parce que c'est vraiment une bombe atomique, on va les essayer tous les deux. Une petite African Queen avec un petit quartz. Le Tof Tof qui m'a déjà fait quelques petites dacheries, mais bon, tout va bien, vous le connaissez. Le San Julian, qui est vraiment très gros, hein. Je peux vous dire que emmener des bateaux de plus d'un mètre 30, c'est vraiment un vrai travail. Et la Rose qui a des petits soucis au niveau du gaz, mais pas de soucis. Dom va pouvoir le faire fonctionner. Voilà. Et ben nous sommes, comme je vous l'ai dit, par ce beau soleil de février à la piscine de Meaux. Et nous allons nous mettre en chauffe. Au revoir les amis.